message à la population. L'État brun met en place une nouvelle loi sanitaire. Désormais, les propriétaires des chats non bruns sont dans l'obligation de le déclarer et de s'en séparer au plus vite. Chaque chat non conforme doit être signalé avant la fin de cette semaine. Veuillez vous adresser aux autorités brunes en faction dans votre commune pour les démarches à suivre. Alors, ton bar, il va le gérer tout seul ? Je m'occupe de toi. Comment va Charlie ? Et toi ? Comment tu te sens ? Comme un lundi. Vous êtes occupé de votre chat, Oscar ? C'est fait. J'ai fait comme ils ont dit. Et le vôtre ? Je m'en suis occupé dès l'annonce de la loi. Il était temps que l'État mette en place une politique sanitaire digne de ce nom. Alors, comment ça s'est passé ? Bah, j'ai mélangé l'arsenic à son bol du matin, et puis... Hein ? Message à la population. À la suite d'une nouvelle enquête de la santé publique, la loi concernant l'épuration des chats subit des modifications. Désormais, les propriétaires d'un chien non conforme à la loi mise en rigueur par l'État brun sont dans l'obligation de le déclarer et de s'en séparer au plus vite. Chaque chien non brun doit être signalé avant la fin de cette semaine. Veuillez vous adresser aux autorités brunes en faction dans votre commune pour les démarches à suivre. Bon. On va y aller ? Tu viens, ma belle ? Attends-moi ! Charlie, je sais que tu es très attaché à elle. Est-ce que tu veux que je m'en occupe ? Non, non, c'est bon. T'inquiète pas, je vais le faire. Okay. Il doit m'en rester un peu de... Il faut plus jouer avec ce chien. C'est interdit. Tu comprends ? Allez, viens, on rentre. Oscar, Bernard,
Comme d'habitude ? Comme d'habitude. Mais non, pas celle-là. On n'a plus que des bières brunes maintenant. Et notre journal ? Disparu. Leur ligne éditoriale contestait les nouvelles mesures de l'État brun. Alors l'État brun fait interdire le journal. Interdire ? Et le tiercé ? Page 7. Ah. Qu'est-ce que tu veux ? Et voilà, encore perdu. Encore perdu. Ah, voilà notre nourrice. Bonjour. Bonjour les garçons. Bonjour. Charlie, comment allez-vous ? Votre chien ? Ah, c'est fait. Ça n'a pas été facile, mais... Je suis désolée pour vous. Elle était si belle. C'est mieux comme ça, Charles. Ils ont leur raison et comme ça, nous, on a la paix. Vous prendrez bien quelque chose ? Non, je dois filer. Bonne fin de journée. Au comptoir, ce matin, il y avait encore des rumeurs qui circulaient. Apparemment, son mari se serait fait arrêter par l'État brun. Quoi ? Mais je croyais que son fils était dans l'État brun. Message à la population. Suite à de nouveaux rapports de la santé publique, la loi concernant l'épuration des chats et des chiens a subi de nouvelles modifications. Les mesures s'appliquent désormais à tous les animaux d'élevage et de compagnie. Les propriétaires d'animaux non conformes aux lois mises en rigueur par l'État brun sont dans l'obligation de les déclarer et de s'en séparer au plus vite. Les animaux concernés doivent être signalés avant la fin de cette semaine. Veuillez vous adresser aux autorités brunes en faction dans votre commune pour les démarches à suivre. Qu'est-ce que c'est ? Ma petite contribution au journal. Je dois y aller. Quoi ? Déjà ? Ouais. Charlie ? Bon ? À la tienne. Tu vas jamais croire ce que j'ai vu, Charlie. Pourtant, je croyais... Tu nous as dit, Aubert... Je peux pas, Oscar. Je peux pas m'y résoudre. Ça a aucun sens. Non, laisse-moi le faire, Charlie. Non, non, non. Toi ou moi, c'est pas le problème, d'accord ? Personne ne tuera mon chien. Calme-toi, ok. Personne ne tuera. Et après ? Tu vas pas te mettre dans des états pareils. C'est pas si grave.
Pas si grave. Tiens, regarde. Ils sont en train d'arrêter tout le monde. Mon chien n'est pas brun, Oscar, pas du tout. Est-ce que tu comprends qu'il est pas conforme? Ils vont venir me chercher, lui ou moi. Tu crois quand même pas ces conneries? Pourquoi j'y croirais pas, Oscar? Mais c'est de la parano! Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? J'en sais foutre rien, j'ai aucune idée de quoi ils sont capables. Enfin, Charlie! Pour un chien! Écoute, je peux pas la garder ici, Oscar, c'est trop dangereux. Elle est qu'à venir chez moi. Personne ne s'inquiétera de la trouver chez moi, si c'est ce qui t'inquiète tant. Non. Je peux te demander ça, c'est... Trop dangereux? Mais tu me demandes rien. Au pire, j'ai du vieux cirage chez moi. Je serais comme le vieux avec son cheval. Quoi? Attends, le quoi? Merci, Oscar. Allez, viens. Viens voir. Allez, approche. Oui, c'est ça. Ouais, t'as vu. Ouais. C'est pris des vacances? Je pense que c'est dû à autre chose, Oscar. Je vois plus les enfants en ce moment. Et la nourrice non plus. Ouais, et du coup, c'est vrai que c'est un peu étrange les deux choses, c'est clair. Ouais. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Dites-moi, vous n'auriez pas des nouvelles de la nourrice? Pourquoi, ça vous intéresse? On s'inquiétait, tout simplement. Je ne fais qu'écouter les bruits qui courent, vous savez. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'elle n'aurait pas dû nourrir les chiens errants. Tenez, regardez. La dernière mot est tombée. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Faut que je récupère mon chien, Oscar, c'est trop dangereux. Mais pourquoi? À cause de cet article? Mais c'est ridicule! Tu penses vraiment qu'il tient un registre de tous les propriétaires d'animaux non bruns? Nos voisins, oui. Tu vois bien que tout le monde disparaît, que tout le monde nous surveille. Discute plus, Oscar. Qu'est-ce que tu comptes en faire? C'est terminé, Oscar. Je dois m'en débarrasser. Allez, bonne soirée. Désolé de t'avoir mêlé à tout ça. Pourtant, son chien était un vrai brun. On l'a bien vu, non? Oui, mais ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il en avait un noir, pas un brun. Un noir. Avant? Eh ben oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'avoir un chien qui n'aura pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir. Il suffit de demander aux voisins. Charlie? Charlie?